Mais ils peuvent nous voir là-bas. Ça va, c'est nos potes, reste tranquille. Mais non, déjà c'est tes potes, d'accord, c'est pas mes potes. Et ça me gêne, c'est tout. Mais on traîne tout le temps ensemble, c'est bon. Non mais ça me gêne. Bon, ça va être l'heure. L'heure de quoi? L'heure du match. Le match? Oui, la finale, ce soir. D'où il y a une finale? C'est la finale de foot. J'avais tout prévu, j'ai les places et le resto. Mais non, moi j'avais prévu autre chose. Mais ça fait 3 semaines que je te le dis. Mais non, j'ai prévu autre chose, moi j'ai une soirée. Avec qui? Mais j'ai une soirée entre copines. Il y aura des mecs? Bah ouais, quelques-uns. Et tu vas habiller comme ça? Elle a quoi ma tenue? Bah t'es beaucoup trop sexy. Bah merci, on fait un truc sympa. Et du coup, pour le restaurant, je mange tout seul en gros? Ben ouais, parce que là j'ai envie d'aller passer un bon moment avec mes potes. Mais t'y vas pas? Mais si, j'y vais. T'y vas pas? Mais je vais pas annuler comme ça, j'y vais, c'est tout. Mais je peux pas annuler le restaurant, je vais pas me faire rembourser. Mais moi j'ai envie de passer un bon moment avec mes potes, j'ai pas le droit, c'est ça? Et t'as pas le droit de passer un bon moment avec moi? Bah là j'ai pas envie. D'accord, très bien. Je vais aller avec Emma, c'est tout. En 2 fois 45 minutes, t'auras le temps d'y réfléchir. C'est bon, salut. Ça se fait pas comment tu lui parles. De quoi? Je vous ai entendu parler tous les deux, ça se fait pas comment tu lui parles. D'accord, donc ma petite amie va traîner en soirée avec des mecs et tout ce que je dois lui dire c'est ouais, bonne soirée ma chérie. Traîner en soirée? Quand je sors avec des copines sans mon mec qui se trouve être ton pote, tu trouves que je traîne en soirée? C'est ce qu'il dit dans mon dos peut-être. Ouais, enfin j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Et elle a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Si, mais pas habillée comme ça. Non mais tu t'entends, tu réfléchis parfois. Oui je réfléchis, putain vous me saoulez tous là, je vais réfléchir tout seul. Son cœur SecureFit unique reste en place et vous protège parfaitement. Hey, salut toi, tu m'as manqué. Salut. Ça va? Bah ouais, je me balade et puis je vois mon mec super sexy. Sexy? Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va, sois pas coincé, y'a personne. Je suis pas coincé, c'est juste qu'il y a des gens. Ça va, y'a personne, je te jure. Ah si, y'a mes potes derrière. Là, coincé, timide, encore plus sexy. J'y ai pensé, j'ai eu le virement pour le taf d'été. T'es combien toi? Bah 500 balles, tranquille. 500? Ouais. Putain, j'ai eu 400, c'est pas normal. Bah, c'est un job d'été aussi. Ouais, mais c'est censé nous préparer pour plus tard. Bah justement, c'est normal que je sois un peu plus payé, non? Bah non, pas pour de mêmes horaires. On a peut-être eu les mêmes horaires, mais on n'a pas fourni le même travail. Hein. Franchement, elle est nouvelle, ils l'ont même pas entraînée pour faire mais ça. Oui, mais pour un premier match, tu peux pas faire la deuxième mi-temps. Vous avez vu, le but contre son front, même un débutant, il fait pas ça. Pas mal, ouais. Viens, on va lui parler. Ouais. Hey, salut. Hey, t'es mignon, toi. Tu t'appelles? Tu peux nous dire ce qui se passe? Mais attends, mais ça, on recule pas. C'est rendu, ouais, ton numéro, allez. Nous, ton numéro, juste ton numéro. On te demande que ton numéro. Que ton numéro, t'as le droit à ton numéro. Mais y'a pas de problème, faire un effort. Où tu vas aller comme ça? Ça va. Ça va, non. On pourrait discuter, allez. T'as cours, mais le lycée, mais c'est pas important. Allez, donne ton numéro. Enfin, juste un numéro, juste pour discuter. Allez, il n'y a pas de soucis, reste avec nous. Mais putain, mais vas-y, c'est bon, on laisse sortir. Casse-toi, va. Les gens comme ça, là. Non, mais tu parles, ils vont rien, ce type. Dans le match. Franchement, compliqué là, la journée au boulot. Entre la boss qui m'en demande toujours plus et le collègue qui est absent. Je sais que tu tiens à ton cours de dessin, mais franchement, demain soir, je vois pas comment je peux t'emmener. Et tu réponds rien. Mais essaye de comprendre, la finale de ta sœur, c'est dans 2 semaines. Il me semble que son entraînement, ça passe un peu avant. Couches pampers contiennent des dérivés du pétrole, classés cancérigènes par l'Union Européenne. Et ben voilà une information qui va intéresser les femmes. Ah bon? Pourquoi? Bah, chiffon, couche, c'est un petit peu votre spécialité quand même. Autre information pertinente, une nouvelle mode est arrivée à Hollywood. Les stars recrutent des gardes du corps de sexe féminin car elles sont plus calmes et diplomates avec les paparazzi. T'as fini? Oui. Attends, j'ai débarrassé, tu le fais à chaque fois. Mmh.